chef gang Cité Soleil, yo même yo pas en entente avec l'autre gang yo. Ti Gabriel un petit Jean versatile. C'est ça que fait m'a dit jodi a et ou ka wè Cité Soleil yo en dedans youn a tiré sous l'autre pour capable positionner yo. Li poko clairement fait. Il y a bataille entre yo mais poko yo pas konnen et G9 en famille ali. Matin encore te gen bataille yo poko positionner, c'est-à-dire que vous connaissez territoire contre territoire. Okay. Ti Gabriel dans pile territoire là même. Donc ça veut dire que ils sont gros et chef de gang que li. Et Ti Gabriel pas oublier li c'est proche et ex député Pierre Lemaire que nous rencontrons plusieurs fois et particulièrement dans cadre et rapport ça. Et donc Ti Gabriel jusqu'où il a une position où l'aime de bon donc ou capable de li un petit gens camper en le pousse et Ti Gabriel gain contrôle toute zone Boukline qui c'est un gros territoire et il fait en pile activité dans zone surtout après la mort Timga il vient gagner plus territoire dans zone donc territoire Ti Gabriel est tellement important. Il y a des soldats qui peut-être veulent Ti Gabriel rentrer dans Genève, bien qui pas veulent. C'est même le cas que nous sommes dit tout à l'heure avec Cité de Dieu, avec et MAF, que vous voyez, à tirer sous ISO 5 secondes parce que ISO lui-même n'est pas voulu ou bien n'est pas voulu entrer dans G9 et famille et alliés. L'autre dit Ti Gabriel. Ti Gabriel, il est clairement il proche du pouvoir, qu'on voit comme il a des moyens pour être capable d'évoluer dans la zone, il a toujours exhibé tout contact. Parce que Bandi a qui ça dit, chaque fois qu'il parle avec l'autorité de pouvoir, il faut faire une publicité. Pour ça, pour le montrer aux soldats, lui-même, il a des moyens et il a des contacts. Donc Ti Gabriel pour jodi a ou senti son chef de gang qui lui-même en disgrâce. Mais comme chef et Jimmy Serizé qui c'est chef G9 en famille et Alia, yo même yo vle gen contrôle de Fontamara à Cité Soleil. Donc dans les jours à venir, nous pas le connaît. Une négociation a fait. Yo dit que yo pour aller dans différents départements pour yo faire une grosse fédération. À mon sens, c'est ça que fait yo dit et G9 en famille, allié, c'est alliance que vous pouvez faire avec l'autre gang. Vous dites que en tant que secrétaire entre les gangs, c'est la perspective de la prochaine élection. Mais vous-même, vous parlez de la paix. Je vais mettre en pile et guillemets et la paix, mais le fait est que je dis à toute zone qui était difficile, eh bien, les gens sont capables plus ou moins de circuler normalement. Par exemple, si nous prenons Matissan et La Saline, par exemple, ils disent que le marché de La Saline fonctionne et normalement. Et nous, ouais, même Pont Rouge, tout semble état et pacifié. Regardez l'hôpital là. Maternité Isaïe Gentil, la fonctionné. Tout a fonctionné avec la négociation avec des bandits. Et l'hôpital là pour fonctionner pas une consalité louvée non il y a des rencontres qui fait avec soi-disant yo dieu pas rencontre avec nous tabou pour l'hôpital on l'hôpital pour louver et moi-même moi pas quoi que même le monde descend la saline il descend à quel poser toujours il y a des moments de turbulence dans zone qui c'est machin de légumes yo qui c'est monde qui vivent dans charbon yo qui c'est monde qui vivent sous Wab Jérémy toujours il y a des moments de turbulence là-dedans. Et, bon, Kawel, Waf qui gagne sous la saline, presque ou pas, ou se voit de conteneur, tout aller sous port la phyto. Donc, c'est-à-dire, économiquement, ça qui a passé dans la zone métropolitaine, bas Port-au-Prince, il a affecté différents secteurs, particulièrement les gens qui pas gagné. Si la population n'est pas réveillée pour les. Fait échec à plan macabre ça, Haïti pas l'autre pays, on est à voyou, on est à délinquant. Pour qui ça? Gang yo, yo décidé, yo bien organisé yo, pour être capable de plus territoire. Et autant de fois yo prend territoire, yo gagne territoire, population a plus dans la terreur. Pour voir qui ça le montre où? Li montre li gon volonté pour les capables d'organiser gang yo pour les capables de renouveler tête li. C'est-à-dire, après PHTK, Europe jeune PHTK 2, après pour jeune un autre PHTK encore. Donc la vie moun déjà banalisée. Jodi a ou gen Pont Rouge, ou gen
Cité Soleil, ou bien troisième circonscription, c'est au même qui épicentre mouvement violence là, parce que pouvoir poko gen contrôle territoire ça yo, j'en ouvre là à 100%. C'est pour ça, yo formé G9 et famille et alliés pour G9, bay résultat, yo même qui a obtenu, pour président capable aller pour rouge tout 17. Donc l'autre gang qui continue à frapper yo, c'est pas gang pouvoir. Mais gang ça au propriétaire. Moi-même m'a dit que si Gabriel t'ai fait tout le temps d'observer pouvoir, je dis à où senti que il y a disgrâce. Mais c'était cela son gros morceau. Oh bien sûr. Okay. C'était cela son gros morceau, on va l'expliquer. Si Gabriel pour qu'on parle, il contrôle le soleil 9 à 17. C'est-à-dire il dans l'entou, si Haïti, Brooklyn, Cité Gérard, il contrôle environ 25 à 30% de électorat Cité Soleil là. Parce que là on a des zones comme Cité Soleil. Là, il y a élection. Moun ki pral voter a, al pa li pa voter comme ça non? Il est pas libre mal voter non? Oh non, faut le temps ça chef là a dit. Donc si Gabriel l'ligue tout projet douyo bois neuf. Vous comprenez? Donc si yo pouvoir gagner tout contrôle ça là bon pour lui. Là pour mon lycée tant que lycée Cité Soleil là. Il y a 25 acteurs bureau de vote. Là pour un building 2004 là qui sont influence barbecue. Il y a plus que 60 bureaux de vote. Tout le monde contrôle tous 60 bureaux de vote. C'est-à-dire son élection, dans la période d'élection, son élection où tout le monde là pour la. Donc nous-mêmes, nous croyons que les citoyens réveillés pour être capables de faire échec à mouvement ça cap avancer sur nous. Mais même moi, tout Haïti, c'est même Nations Unies. Il faut que le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Il faut que tu sois capable de faire effort, accompagner et mettre bas appuyé pour ta monter une commission d'enquête. Pour aller mener enquête dans la zone ça. Parce que la population, en général, a droit à la vérité, victime de viol, de disparition forcée, quand ils ont boulé les cailloux, ils ont kidnappé, ils ont violé, ils ont droit à la justice et à la réparation. On dit que Bati Gabriel, c'est un chef de gang proche pouvoir, mais pendant la période des pays locaux, je lis ça dans le rapport là, si Gabriel, tu travailles comme pouvoir. Nous, tu as perdu là. Nous, bien sûr. Si Gabriel, son monde qui versatile, il n'est pas positionné, nous, tout le temps. C'est une espèce de mercenaire. Ou nous, qui a besoin. Voilà, c'est son balai, ou plus offrant. C'est qu'on s'allie. Le cas de l'ancien député Le Maire, dans toute entrevue que la fête en média, l'a dénoncé les gangs armés qui contrôlaient et Cité Soleil et les rapports. FJKLA, où elle est de connivence avec Ti Gabriel. C'est proche, lui. Mm-hmm. C'est proche, Ti Gabriel. Elle a soutenu Ti Gabriel, c'est-à-dire que ça, c'est équipe pâle. C'est équipe pâle, c'est-à-dire gang. C'est-à-dire que c'est gang pâle. Okay. C'est-à-dire que c'est lui-même qui travaille, la facilité Ti Gabriel pour Ti Gabriel capable de gagner contrôle territoire pâle. Okay. Donc, yo même qu'on dit sur la radio, il y a des familles, il y a des bails comme ça, mais même pas entrer dans. Les détails familiaux. Ok. On vient là sous les recommandations et fondation J'éclairer les faire. Par rapport à ça. Enquête là, révélez-nous que gagner et ça nous les gonger fort qu'a fait pour capable organiser gang yo en milice pour capable permettre pouvoir toujours être sous pouvoir. Mais m'a tout dit pour nous-mêmes, c'est bien compté, mal calculé, pays a pas qu'à tomber dans dictature des gangs. Donc Pont Rouge, Cité Soleil et menti sans grand avin, jodi a gen des plans macabres qui visaient moun sa. D'ailleurs, 4e avenue ton zone côté tout moun te kon ale, ou vin wè son zone qui difficile d'accès. Donc, si plan sa abouti, Haïti a officiellement et légalement yon état voyou. Donc, fok gon bagay ki fait pour faire échec à plan macabre sa. Côté gang yo a fédéré tête pour capable de plus territoire. Et nous, kwè tout. Il faut qu'on commissaire d'enquête indépendant avec support au commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme pour être capable de faire lumière sur la question ça, faire des recommandations et puis tout pour victimes capables de jouer justice et réparation pour société attaque à jouer la vérité sur le phénomène gang ça ou dans le quartier populaire. Supposé BINU qui représentait l'Organisation des Nations Unies et d'un pays a une copie de rapport ça. De tout bien. On vient sur le dossier, Madame G, c'est le dossier Emmanuel. Et Toto Constant qui est retourné dans le pays depuis quelques jours, déporté par le gouvernement américain dans le cadre des procès et massacre Raboto. La justice était condamnée Emmanuel et Toto Constant par contumace et
Aujourd'hui, à débat, et faut que Emmanuel Toto Constant lui réponde de Zachli. Et nous tendons déjà des avocats qui disent attention, peine lui prescrite. C'est-à-dire, qui position FJKL dans le dossier ça? Arrestation de frappe là, qui se front pour l'avancement et le progrès d'Haïti et puis déportation en Haïti. Nous croyons que nous voulons rappeler pour tout le monde que le crime qui était commis pendant la période coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide en 1991, le crime est prescriptible. Nous prenons acte de décision que le gouvernement américain prend pour, dans le moment ça, li voye li de frappe la vini en Haïti. Mais n'ab tout. Geste ça son geste qui inamical bon côté gouvernement américain parce que gouvernement américain connaît bien état appareil justice là lié en dans pays. Mais toutefois, nous croyons que faut pays a saisi de opportunité ça pour au moins et nous ta capable fonti avancer dans un parc qui positif. Mais n'a demandé gouvernement américain tout. Pour qui ça, pendant la voie Toto Constant venir, il n'a pas tout profité, voyez, dans l'intégralité, tout document frappe. C'est une opportunité pour la justice pays d'Haïti pour lui procéder à un véritable procès. Pays a soif, un véritable procès contre la corruption, contre différents massacres, contre différents crimes qui a fait en dedans société. Nous étonnons du fait que nous entendons commencer à des débats et sous rentrée et Toto Emmanuel Constant sous question et prescription et avec pas prescription. Nous croyons que l'utile pour nous attirer attention tribunal criminel Lango Naïve là sous adoption et pour nous attirer attention publique là nationale internationale en général sous article 7. Dans la loi 7 avril 1998, là, qui dit les crimes et délits commis durant la période du 30 septembre 1991 au 15 octobre 1994 demeurent imprescriptibles. Et la loi ça était publié dans le Moniteur République. Cela veut dire que faut que tout le monde aille au Moniteur ça pour qu'il qui ça le dit par rapport à ça. Mais nous-mêmes, nous croyons. Et l'innécessaire pour nous râler ti chaise banou pour nous chita pour nous suivre dossier ça jusqu'à ce que l'aboutit à une véritable justice équitable. Faut que nous disons ici frappe c'était une gros force paramilitaire qui était commettre un pile crime. Gen même frappe qui l'a toujours. Présence Toto Constant capable de remobiliser tout le monde frappé, vient impliquer nous dans le scène de violence et de violation de droits humains systématiques encore. Mm-hmm. On substitue Kitadel et Gonaïve et li dans une prison, c'est une prison civile et Saint-Marc. Jusqu'à présent, nous pensons que l'autorité a bien agi. Nous-mêmes, nous croyons que présence Toto Constant, c'est pour Haïti, l'appareil justice, la redoré blason, pour lever tête. Li. Pour les capables de faire un véritable procès. Nous avons trop de dossiers qui ont traîné, de gros dossiers de corruption, de drogue, de crimes qui ont traîné dans le tribunal pour ne pas avoir un véritable procès. Il faut que nous montrions le monde que nous sommes capables de faire des procès équitables, de belles dossiers. Et dans le pays. Nous, quand c'est une opportunité, c'est d'arriver à aboutir à procès ça. Ok, mais est-ce qu'on croit que la justice haïtienne en Italie a traité et question ça? Il faut que nous ramassions le caractère. Il faut que la justice là tout redorer blason. La justice là pas qu'à chiter à terre dans le niveau que il y a, non? Il faut le remonter. Donc, que vous saisissez l'opportunité ça. Okay. Parce que, et moi, je vous lis déjà, question ça allait résoudre par la loi du 7 avril 1998 qui publiée dans le Moniteur, dans la date 17 août 1998, et sous question réforme la justice. Côté dit, crime ça yo, yo est prescriptible. Mm-hmm.